Handicapé par ses blessures, le milieu de la Salernitana, Franck Ribéry, va mettre un terme à sa carrière à 39 ans et demi. Le vice-champion du monde 2006 aura notamment marqué l'histoire du Bayern Munich et du foot français pendant deux décennies. Tous les chemins mènent à Rome, mais la Roma peut aussi conduire à la retraite. Sans le savoir, Franck Ribéry aura disputé l'ultime match de sa carrière le 14 août avec la Salernita contre l'équipe de José Mourinho à l'occasion de la première journée de Serie A. Entré en jeu en seconde période, le milieu offensif a joué 36 minutes qui seront ses dernières en professionnel. La douleur a pris le dessus. Absent depuis mi-août, Ribéry a subi plusieurs examens qui ont engendré le même constat. Ses genoux ont lâché, ses cartilages sonnent creux. La douleur n'a fait qu'augmenter au point de dire stop. L'annonce officielle est imminente, comme l'ont relayé ce vendredi matin les médias italiens. Le clap de fin retentit en ce début d'automne maussade à 39 ans et demi. Le capitaine de la Salernita, qui portait encore le brassard pour le premier match officiel de cette saison en Coupe d'Italie face à Parme, défaite 2-0 le 7 août, rêvait d'un dernier tour de piste afin de fêter ses 40 ans le 7 avril prochain au plus haut niveau. En signant à la Salernitana, à la surprise générale à l'été 2021, l'international français, 81 sélections, 16 buts, avait fait insérer une année supplémentaire en cas de maintien. Personne ne croyait ce miracle possible avec le petit budget de Serie A, sinon lui, au sprint. La Salernitana a terminé juste au-dessus de la zone de relégation, 17e après avoir changé d'actionnaire en cours de saison. Franck Ribéry avait disputé 23 matchs de championnat pour 3 passes décisives. Le petit gars de chemin vert à Boulogne-sur-Mer aura connu 7 clubs en gros en 3 décennies entre Brest, Metz, Galatasaray, Marseille, le Bayern Munich, la Fiorentina et la Salernitana. Il aura passé 8 années en équipe de France de l'avant-coupe du monde 2006 jusqu'à son jet de l'éponge au moment de la Coupe du Monde 2014 après une brouille avec l'encadrement tricolore. Arrivé au Bayern à l'été 2007, Kaiser Franck a plané sur Munich. Le grand club allemand avait dépensé 26 millions d'euros plus 4 millions de bonus pour l'acheter à l'OM. En 12 ans en Bavière, le milieu offensif empochera 23 titres majeurs, dont 9 Bundesliga et une Ligue des Champions en 2013. Cette saison-là sera la plus aboutie avec tous les titres possibles sauf le Ballon d'Or à l'époque décerné par France Football et maîtrisé par la FIFA où il terminera 3e derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Sa saga avec le Bayern n'est sans doute pas terminée. Le sextuple champion d'Europe lui a matérialisé une reconversion, c'est écrit. Mais en attendant, il restera jusqu'à la fin de la saison sur la côte Amalfatène comme ambassadeur de la Salernita avec qui il s'apprête à signer une résiliation de contrat à l'amiable.